nationale japonaise qui nous réunit tous aujourd'hui est organisée à l'occasion de l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon. Au 23 décembre prochain, date exacte de son anniversaire, Sa Majesté va avoir 83 ans. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour célébrer ensemble l'anniversaire de l'empereur, symbole de notre pays. Parlons d'anniversaire. Je vous ai annoncé à l'occasion de cette cérémonie l'année précédente que c'était le 40e anniversaire de l'ambassade du Japon en Haïti depuis son installation. C'est un grand plaisir et un véritable honneur de vous annoncer que nous célébrerons cette année le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Haïti. Les relations entre deux pays aujourd'hui se consolident à la base de ces longues relations de 60 ans. Pendant que le Japon acquitte sa responsabilité sur la scène internationale, Haïti prend ses responsabilités et décisions vis-à-vis de la communauté internationale et régionale. Aujourd'hui, face à nombreux défis mondiaux, plus en plus de problèmes doivent être résolus de manière globale, mais toujours dans le respect et de la compréhension mutuelle. Je suis heureux que les deux pays trouvent une certitude en établissant des relations coopératives importantes et la base des liens de confiance. Sur ce fondement de relations bilatérales, j'aimerais souligner que le dialogue entre le Japon et la structure régionale comme CARICOM aussi joue un rôle important. C'est avec un grand plaisir que je participe à la cérémonie de ce soir dédiée à la célébration de l'anniversaire de naissance de Sa Majesté l'Empereur Akihito et de la fête nationale de l'Empire du Soleil Levant que marquera le 23 décembre prochain. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais profiter de ma présence pour saluer l'esprit de coopération qui a toujours guidé le Japon dans ses échanges avec la République d'Haïti, qui, ces dernières années, se sont poursuivis activement. L'appui constant du Japon à la République d'Haïti est, pour le gouvernement haïtien, le témoignage d'une amitié durable entre nos deux pays. Ces échanges, en effet, traduisent de façon exemplaire la manifestation de la solidarité du peuple japonais envers le peuple haïtien. Je pense, bien sûr, à l'action solidaire du Japon dans des moments particulièrement difficiles de la vie nationale. Nous reconnaissons, bien évidemment, la contribution notable de la coopération japonaise à la mise en œuvre des activités socio-économiques dans des secteurs vitaux que sont l'agriculture, l'éducation et la santé. De notre côté, une coopération économique constante a marqué l'histoire des relations entre nos deux pays et elle s'est renforcée jusqu'à faire du Japon l'un de nos principaux partenaires. Je rappellerai que tout récemment, encore le 1er décembre écoulé, j'ai signé conjointement avec le chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, M. l'ambassadeur Yoshiki Hata, un accord de don pour le projet d'assistance alimentaire KR 2016 qui met à la disposition du gouvernement haïtien à titre de don un montant total de 350 millions de yens japonais, soit environ 3,1 milliards $ américains. Je ne puis terminer mes propos sans exprimer une fois de plus la gratitude du gouvernement et du peuple haïtien envers le gouvernement et le peuple japonais pour tout l'intérêt qu'ils portent au développement socio-économique de la République d'Haïti.